Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 25 juin 1997, nous quittait le commandant Cousteau, explorateur devenu figure du petit écran avec ses émissions à succès. Jacques-Yves Cousteau aura consacré lors d'Autriche sa vie à l'étude des fonds marins et la défense de la nature. Oui, Cousteau, le cinéaste, l'écrivain, le chercheur, le marin au bonnet rouge. Il a inventé le premier scaphandre autonome, la caméra sous-marine, et c'est un accident d'avion qui le décide à s'engager dans la marine plutôt que dans l'armée de l'air. Son biographe Bernard Violet témoigne sur Europe 1 le jour de sa mort en 97. Il était quand même obsédé par son travail, qu'il était obsédé par ses découvertes. Ça le rendait des fois imbuvable, comme on dit, mais bon, attachant pour beaucoup de gens, et dont le génie, je crois, était de voir chez les gens justement quel était leur talent et puis de leur permettre ce talent de s'épanouir. Et ça, chapeau. C'était le Français vivant le plus populaire dans le monde. Il a fait rêver. Naître des vocations, il a développé l'esprit d'aventure. Le commandant Cousteau, c'est aussi son bateau, la Calypso, avec lequel il va sillonner les mers, une sorte de laboratoire flottant avec une chambre d'observation sous-marine, des scooters sous-marins, des hublots pour réaliser des prises de vue. En 1971, le commandant Cousteau racontait sur Europe 1 la vie à bord. Jusqu'à 2h de l'après-midi, je fume un peu. Et puis, à table, je bois absolument aucun apéritif, aucun alcool, mais un peu de vin, même beaucoup de vin. Oui, c'est nécessaire. Hein. Surtout que j'adore ça. Je suis bordelais. Ne l'oublions pas, c'est vrai. Et Cousteau lance aussi une expression qui recouvre tout un monde, le monde du silence. Sous l'eau, Cousteau se tait, et hors de l'eau, il alerte les politiques du danger qu'il croit voir se dessiner avec les campagnes qui se vide, Cousteau se bat pour la nature. La population paysanne, il n'y en a plus que 6 ou 7% de la population qui est... Tout le reste va vers les villes, et c'est-à-dire abandonne une nature qui est d'ailleurs un peu en ruine. Tout est artificiel. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse avoir des réactions saines dans un monde totalement artificiel. Quant à la pollution et à la dégradation de l'environnement, au début des années 70, le commandant Cousteau estimait que la faune et la flore avaient diminué de moitié en 20 ans. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. 7h, 9h.